Get hyper. Précédemment sur ma chaîne. Comme un triso. Voilà, moi c'était juste pour partager mes gameplays. Après, je suis tout à fait conscient que ça fait chier quand, lorsque t'as travaillé sur une vidéo pendant des heures et des heures, que ce soit pour le rendu ou le montage. Alors, si toi aussi tu l'as raté, n'hésite pas à faire un petit tour sur ma chaîne pour la retrouver. Allez, bon gameplay. Que par rapport à ton nombre d'abonnés. Hey yo, salut les campus, c'est T-Bac, comment ça va? Moi ça va super bien, bah écoutez on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette nouvelle vidéo se passe donc sur la map drone en élimination confirmée. Voilà donc comme vous pouvez le voir je suis équipé de la Vector, la Vector avec ses accessoires, j'ai mis chargeur rapide avec la Vector. Pourquoi? Bah parce que c'est une mitraillette qui a une très grande cadence et donc faut reload assez souvent. Et j'ai donc ajouté à ça le canon long qui permet d'avoir une meilleure portée sur ses armes. Et donc voilà, j'ai ajouté le canon long parce que je trouve qu'il manquait un petit peu de portée à cette mitraillette. Voilà, alors au niveau des atouts, je vais vous en parler tout de suite. Au niveau des atouts sur ce gameplay, j'ai d'abord donc détermination et fantôme. Hein, détermination qui vous permet donc d'obtenir vos killstreak un peu plus facilement. Fantôme qui est pour moi... l'atout obligatoire du jeu parce que c'est un jeu qui est full drone. En atout 2 j'ai donc robustesse qui permet donc de vaciller un peu moins lorsque on se fait tirer dessus, et dextérité pour l'atout numéro 3 qui permet donc dextérité de viser plus rapidement après avoir couru. Voilà donc le petit blabla est passé. Alors je voulais vous parler de 2-3 petites choses. Alors tout d'abord je voulais vous parler de ma série Let's Strike. Il y en a beaucoup qui me demandent quand est-ce que reprendra la série. Eh bien les gars, écoutez, moi je suis en galère. Je suis en galère pour la simple et bonne raison que en R&D, je ne joue pas trop moi personnellement sur ce jeu. Et pour l'instant, j'ai reçu 0 clip. Alors c'est un appel. C'est un appel, oui. Alors cette série, sans vous, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que je ne joue pas déjà en recherche et destruction pour le moment. Et personne de ma team non plus, donc c'est pas des strikes de la ASG que vous allez retrouver. Donc comme je le disais, cette série sans vous, elle n'existe pas. Beaucoup me demandent quand est-ce qu'elle reprendra. Eh bien écoutez les gars, pour l'instant j'ai 0 clip en recherche et destruction. Donc full team, strike, ace, je sais pas comment vous appelez ça. Ben, moi j'aimerais bien reprendre hein, la série, parce que déjà commenter les gameplays des autres, commenter des clips, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est quelque chose que j'ai déjà fait à plusieurs reprises sur la chaîne Avandek. Vandek, c'est un gars qui fait des top 5 sur les Call of Duty. Et c'est quelque chose que j'apprécie. Je peux pas vous dire pourquoi, mais je me sens vraiment très à l'aise dans le commentary de clip. Donc voilà, c'est un appel que je vous fais, les gars. Allez-y, n'hésitez pas, envoyez-moi vos clips. Je les attends toujours. J'attends toujours. Voilà, alors, ceci dit, je voulais vous parler d'un autre petit truc. Sur MW3, il y avait beaucoup de personnes qui me reprochaient de beaucoup jouer à la MP7. Bon, on va plus en parler, hein. Ça y est, c'est fini, MW3, c'est derrière nous. Donc, beaucoup me reprochaient de jouer à la MP7. On va pas épiloguer sur ça. Mais il y a peu de temps, il y a quelqu'un qui m'a dit « Lâche un petit peu ta PDW ». Alors, je vais mettre les choses au clair tout de suite. La PDW, c'est tout simplement ma mitraillette préférée dans le jeu. Et c'est l'arme avec laquelle vous retrouverez le plus de gameplay de moi sur BO2. Voilà, donc je vous le dis d'avance, vous verrez beaucoup de gameplay à la PDW sur BO2. Voilà, ceci dit, encore une fois, j'ai envie de dire que pour ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez que moi, mes armes préférées sont les mitraillettes. Et donc bien entendu je vais pas m'amuser à jouer à la Chicom qui est la mitraillette que je déteste le plus, alors que je préfère la PDW. Alors bien entendu j'essaye de varier un petit peu hein. Vous avez pu voir déjà de la PDW, vous avez vu de la Vector, je vous ai montré un petit peu les autres mitraillettes quand j'ai fait mes trucs en diamant. Je vous ai montré du snipe il n'y a pas trop longtemps, du snipe en mode campus, et j'ai bien rigolé d'ailleurs. Il y a certains abonnés qui m'ont redemandé. Donc je campe, c'était l'épisode 4 je crois, hein. Au départ ça s'appelait je campe aussi, là j'ai écourté un petit peu le titre. Donc je campe
Vous allez en revoir avec d'autres armes. Hein. Je vais donc bien entendu profiter de la série. Je campe pour pouvoir essayer d'autres armes. Je pense que prochain, ça sera fusil d'assaut. Hein. Fusil d'assaut. Bon, je sais pas lequel, on verra. Hein. C'est bien pourri. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je joue avec l'arme que je veux. Le jeu, je l'ai pas volé, je l'ai acheté comme tout le monde, les gars. Voilà. Donc vous avez vu un petit peu au niveau de ma série, Blackbird, Lodestar et la DAF de combat. Alors je voulais vous parler très rapidement du Blackbird. Avant de vous parler de ça, Attendez, regardez la petite action marrante là. Il m'a pas vu le gars. Voilà, mon coup de couteau qui whiff, il m'a pas vu. J'ai chaté un petit peu, je suis bien content. Bref, alors le Blackbird. Donc dans BO1, dans le Blackbird, si mes souvenirs sont bons, il fallait faire 8 kills pour l'obtenir. Et le Blackbird, bon, c'est pour moi le kill streak ultime du jeu. C'est le kill streak ultime du jeu. Pourquoi? Parce que je joue très souvent en team. Et une fois qu'on a en général déclenché le premier Blackbird, et ben voilà, ça enchaîne derrière. Hein. Il y en a toujours un ou deux autres AG qui vont enchaîner derrière. Et on finit toujours en full Blackbird. Bon, c'est, je sais pas si c'est un truc qui est un peu abusé ou quoi, mais c'est, disons que, bon, j'avoue qu'en élimination confirmée, c'est un peu plus facile à obtenir qu'en match à mort, par exemple, où maintenant le système de score streak est différent. Mais bon, en élimination confirmée, pardon, c'est super simple à avoir le Blackbird. Je peux pas vous dire comme ça de tête combien de kills et combien de médailles il faut ramasser. Mais une fois que, comme je disais sur Twitter, une fois qu'on a balargué le Blackbird, bah voilà, la partie, on sait qu'elle est pratiquement finie. Ouais, il y a Dims qui me disait, mais pourquoi tu mets pas le Warthog à la place du machin? Ah bah non, non, non. Je mets pas le Warthog à la place du Lodestar. Pour moi, le Lodestar, c'est un truc. Enfin, voilà, vous êtes en train de le voir. Pour moi, c'est peut-être pas super adapté à cette map lorsque les gens sont beaucoup dans. Je sais pas comment ça s'appelle là, dans le hangar ou quoi. Mais quand ils spawnent tous dehors, je peux vous dire que ça fait un putain de carnage. Vous avez vu la cadence du Lodestar? Pour moi, c'est un truc de fou. D'ailleurs, en parlant de ce gameplay, je l'ai réalisé comme vous avez pu le voir avec Drazia et j'avais invité quelques abonnés via Twitter. Alors, encore une fois, je me répète peut-être, mais la meilleure manière de me suivre et la meilleure manière de jouer avec moi, c'est de me suivre sur Twitter parce que très souvent, j'invite des abonnés à jouer avec moi lorsque je suis avec un ou deux ASG, que j'ai envie de compléter la team avec des abonnés. Bah, ça fait plaisir. Des fois, je branche le micro, des fois, je le branche pas. Tout dépend si ça dort chez moi ou pas. Enfin, voilà, quoi. Rien de spécial. Donc, voilà, je voulais vous dire toutes ces petites choses. Et je voulais aussi ajouter qu'en 2013, j'ai déjà commencé à réserver des jeux, les gars, parce que je vais faire pas mal de let's play sur des jeux que je ferai tout seul. Sur Halo 4, bah, on a annulé, hein, comme vous pouvez le savoir, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des vidéos. Donc, alors, je vous dis tout de suite ce que j'ai réservé, ce que vous allez voir sur ma chaîne déjà dans un premier temps, dans les 3-4 premiers mois qui vont arriver. Alors, j'ai déjà réservé Sniper Ghost Warrior 2. Donc, je ferai du let's play dessus. J'ai réservé Crysis 3. Alors, let's play est prévu dessus. Après, au niveau du multi, ça dépend. On verra si le jeu me plaît ou pas. Alors, Crysis, faut savoir que j'ai beaucoup hésité avant de faire le 2. Le 1, je connaissais pas encore à l'époque. Mais le 2, j'ai beaucoup hésité à le faire. Je l'ai pas fait. Donc, le 3 sera mon premier. Et derrière ça, j'ai réservé Tomb Raider. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous... On apprécie les vidéos de Tomb Raider, et ben moi aussi, donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'acheter le jeu, de faire un let's play dessus, et BioShock Infinite, qui a été repoussé pour la fin mars, si mes souvenirs sont bons, donc voilà. Alors, je vous ai parlé de toutes ces petites choses, comme je le disais, donc ce gameplay, je l'ai réalisé avec des abonnés, n'hésitez pas à m'ajouter sur Twitter si vous voulez jouer avec moi de temps en temps, et je joue pas qu'à COD avec les abonnés, je joue aussi très souvent à FIFA 13, donc n'oubliez pas de m'ajouter sur Twitter, pour ceux qui veulent du Facebook, bah je suis désolé, Facebook, c'est une plateforme que je n'aime pas spécialement, voilà, donc je trouve que Twitter est beaucoup plus réactif, je peux répondre à beaucoup de personnes, etc., etc. Donc voilà, je vous ai parlé de toutes ces petites choses, les gars. N'oubliez pas le Last Strike. Sans vous, ben, la série n'existe pas. Hein. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de Last Strike. Voilà, je vous laisse finir ce petit gameplay. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'y arrivez pas! Allez, salut, bye bye!